Eh bien le bonjour, bienvenue dans ma vidéo, sur ma chaîne, dans ma vie, dans mon salon. Moi c'est Marie, et l'autre jour j'ai vu un tweet qui m'a inspirée, ok? J'ai vu un tweet et je me suis dit, oh, quelle bonne idée! Faire des tableaux de fleurs en Lego dans son temps libre. Du coup, je suis ravie. Elle est belle, elle est grasse, elle est beauté. Voici donc la boîte de ceci. Cependant, moi je me suis dit, en voyant le nombre de trucs, je me suis dit, oh, ça a l'air tranquille, ça a l'air d'être genre une petite après-midi quoi. Mais là, je vois là, vous voyez pas parce que c'est flou, moi je vois, 2870 pièces. 2870 pièces. Exactement. Du coup, j'ai peut-être un doute, dans le sens où ça va peut-être pas prendre juste une après-midi. En tout cas, je peux confirmer qu'il y a beaucoup de pièces à l'intérieur. 2800, j'en sais rien, mais j'ai trop hâte. Franchement, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur un diamond painting, où le but c'était de coller des petits cristaux et à la fin ça faisait une peinture. C'était extrêmement relaxant. Je pensais que ça allait me prendre une après-midi, ça m'a pris 5 semaines. J'espère que ce ne sera pas le cas de ceci, mais écoutez, relaxons-nous, faisons un tableau de fleurs ensemble. Allons-y. Waouh, ok. Ah oui, ça fait pas mal. Et ça, c'est toutes les palettes, j'imagine. Ah non, il y a plus de trucs là. Et ça, c'est une palette. Et bah, ok. Oh, putain, c'est pas des trucs refermables. Seigneur Saint-Dieu. Ça, c'est toutes les pièces. On va faire ça. Il est beau, il est grasse, il est beautiful. Les trucs blancs, c'est tous les mêmes. Oh, c'est satisfaisant, regardez. Les gousses. Du coup, comment est-ce que je les pose? Je suis censée les poser juste comme ça. Ah oui, je pense que c'est ça. Ça m'a l'air pas mal, hein, le début d'une longue lignée. C'est marrant. Voici le blanc. Tout le blanc est mis pour ce panel, bien évidemment. Je pense que je vais faire couleur par couleur, sinon je vais pas m'en sortir. Et ça a l'air d'aller. Je pense que j'en ai quand même pour un moment, mais ça a l'air d'aller. Et en vrai, on commence à discerner la forme, hein. Tout le long, je le voyais pas, mais maintenant, incroyable. En vrai, ça m'a pas pris non plus énormément de temps. Je dirais quoi, 20 minutes? Ça va. Mais attends, il y en a combien des comme ça? Il y a l'air d'en avoir genre 8. En vrai, ça va peut-être pas me prendre un mois, hein. Parce que là, j'ai réussi à le faire. C'est satisfaisant. C'est très satisfaisant. Mucho bueno. Ah non, il y en a 6. Et après, faut faire le cadre. Mais en vrai, est-ce qu'on peut rush ça? Forcément 24 heures, mais là j'en ai fini un, j'ai envie d'en faire un autre. C'est plus fort que moi. Celui d'après, oh, beautiful, ce ne sont pas les mêmes. C'est normal, tu me diras. Je trouve ça bien aussi de les faire un petit peu par un petit peu, parce que s'il y avait direct tout le truc, je m'en serais jamais sortie. Mais là, franchement, ça va. Allez, bah c'est parti pour le deuxième. Ça prend forme. Juste que j'arrive à les coller, mais let's go. Ça se mange pas, c'est doux. Ça se mange pas. Que le bleu foncé. Par contre, comme elles sont un petit peu en relief, je chipote. Mais ça fait mal. Je chipote. Ça fait pas mal. Mais ça, c'est plus chiant à appuyer que les autres. Plus chiant. Mais bon, je chipote. Hop! Incroyable. On en a fait, je crois, la moitié. Regardez. 1, 2, 3. Alors c'est à l'envers pour vous, ça rend tellement mieux de loin. De près je vois tous les pixels, mais là, et ça prend forme, hein. Beautiful, c'est de l'art. Ça va pas être si grand que ça, il fera la taille de la boîte en fait. Mais ça va, c'est un peu addictif, j'avoue, mais gusté. Là on va faire, ouh, il y a beaucoup de roses sur celle-ci. Beautiful. Tadam, ça fait tellement plus stylé de loin. Genre, non mais de près en soi c'est stylé aussi. C'est juste on se rend moins compte de ce que c'est. Genre de près c'est ok, mais plus vous l'éloignez, plus ça a du sens. Vous avez compris? Moi non. Alors, voyons voir. Nous avons donc ceci, ceci, ceci. Et incroyable. De loin c'est trop beau. Enfin de près c'est stylé aussi, mais de près
Oula, comment je fais ça avec mes mains? Comme ce... Je vais les casser. Ah non, de près, c'est stylé aussi. Franchement, mais quel flow. Le produit est quasiment final. Faudrait que je les attache, maman. C'est avec ça, j'ai peur. Du coup, il faut mettre des trucs comme ceci. Uno, dos. Vous voyez ce que je fais? Absolument pas. Ce n'est pas grave, je vous explique. Je fais rentrer le pitonio dans le trou. Voilà. Comme l'indique, c'est magnifique. Explication, on dirait Ikea. Attention, verdict. Est-ce que ça se clipse? Beautiful. Voilà. Ah merde, non. Faut pas que j'en remette. Comment j'enlève ça? Tout simplement. On a rien. On a rien entendu. Péter les dents, moi, un jour. Vraiment pour des raisons de merde. Et j'ai dit et... Beautiful. Mon œuvre. Elle est pas terminée. Mais c'est mon œuvre quand même. Et après, on aura juste à faire les deux derniers. Et après, il y aura le cadre aussi. Tu veux voir la gueule du cadre? Ah. Ouais. Plus tard. Allez. On a déjà fait ça, c'est bien. Eh bien, bonjour. C'est une nouvelle journée pour Marie. Et son œuvre. Mon œuvre, bientôt terminée. J'en étais où, Siri? Très bonne question. Regarde, moi, ce tableau. C'est le tableau qu'il faut regarder? Mon œuvre? C'est non. L'œuvre? On voit rien ou c'est moi? Ah, si je la tourne, on peut voir la grâce. Elle est là, elle est bientôt terminée. Nous avons ceci qui reste. Et voilà. Is it the moment? It is very much the moment. Nous voici repartis dans l'ensemble. Même si l'activité est un petit peu lente, parce qu'on fait vraiment point par point, là est tout le principe, ça reste quand même relativement rapide, relativement, j'insiste, parce que par rapport au diamond painting que j'avais fait et qui m'avait vraiment pris genre plus d'un mois, parce que vraiment, il y en avait vraiment beaucoup, là au final, il n'y en a pas tant que ça, parce que par exemple, le beige, j'ai pas utilisé du tout, c'est pour un autre tableau. Du coup, je trouve que ça va, c'est honnête niveau durée. Du coup, est-ce que le prix versus la durée est honnête? Je ne sais pas, mais après, c'est vrai qu'il est beau. Tu peux l'accrocher chez toi, il est en relief et tout. Allez, nous sommes partis. On voit ce que je fais au moins. On voit ce que je fais, hein. Je suis peut-être un peu loin pour vous. Est-ce qu'on se rapprocherait pas? On voit un peu plus ce qui se passe. Ne pas manquer l'action. Aïe, 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 Marie. Non, ça ne se bouffe pas. C'est du café, ça, Siri. Tu n'aimes pas, c'est amer. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, c'est amer. Re, regarde mes fleurs. Wow. Je viens de finir l'avant-dernière. Wow. Wow. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette œuvre. Regardez-moi ça. Incroyable. Voyez-vous le relief? Absolument pas. Mais ça, tout ce qui est bleu, c'est en relief. Ça fait un effet 3D. Non, ça se voit pas. Je vous jure, c'est beau. Du coup, the last one. Ça va vite ton truc. Ça va vite, ça va vite. Ça fait 3 jours quand même. En plus, ça, c'est no brain, t'as le truc sous les yeux. Mais c'est beau là. C'est no brain. Y a pas marqué, tu vois, genre les chiffres ils sont là. Genre, ça, c'est bien. Ah, faut parfois faire. Ah, c'est trop dur, pardon. Tu vois, faut compter le nombre de carrés pour être sûr que ça aille au bon endroit. J'ai été mauvais exemple. Hein. Puis après, attends, faut voir le cadre. Aïe, aïe, aïe. Y a marqué 18 plus sur la boîte. Donc, c'est que c'est une activité pour adultes. Et je suis une artiste. Artistique. J'arrive pas à peindre, alors je peins avec des Lego, ok? C'est vrai que l'art est une forme d'expression en fait. Bon, ouais, c'est marrant, mais je comprends pas pourquoi t'as 18 en vrai. Peut-être juste en mode destiné à un public d'adultes. Parce que c'est pas très drôle pour les enfants. Je sais pas, moi je connais des enfants qui trouveraient ça drôle. Alors peut-être, ouais, des ados, des enfants peut-être qui jouent plus avec les figurines. Ouais, j'en ai vraiment des trucs. Fun. Eh, hey, moi c'est fun, laisse-moi et mon tableau tranquille, mon œuvre. Je veux que celui-ci, c'est exactement comme quand t'es petit, puis t'as les triangles, les ronds, les carrés, puis tu dois faire passer le grand rond, le triangle et le carré dans la bonne forme. Parce que là, c'est les couleurs. Mais sauf que ça, après, ça fait un tableau et il est beau. Et je l'accroche. T'as vu, c'est hypnotisant. C'est parce que je suis une artiste. Une artiste. Incroyable. Incroyable. Nous possédons désormais l'œuvre. On ne la voit pas. Ici. Complétée. Beautiful. Par contre, il reste à faire tout ça. Attends. Déjà, il faut mettre les derniers petits pistons. Hop là. Ça. Et hop. Et du
gâteau. Tadam ! Incroyable. Bon, j'ai très honnêtement limite envie de le laisser comme ça, mais on va quand même faire le cadre. Attendez, rapprochez-vous. Nous avons donc 20 petites pièces comme celle-ci, qui vont se mettre tout autour du tableau. Allô ? Allô, là, au secours ? La caméra, bonjour ? Ça se met comme ça, apparemment. Du coup, tout autour. Oh non, je les ai mis du mauvais sens. Ah mais c'est pas grave. Normalement, ils tournent tout seuls. Ah, c'est bon. Oh, miracle. Heureusement, le pire a été évité. Ni vu, ni connu. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Ceci, il faut les mettre... Ah bah non, je les avais dans le bon sens. Mais non, c'était dans le bon sens. Mais je suis une merde. C'est pas grave. Littéralement, un meuble Ikea, je vous jure. Ensuite, oula, j'ai rien pigé. Ensuite, il faut retourner. Ah ah, nous retournons. Hop. Ah non, c'était pas là. C'était pas là. On n'a rien vu, bien évidemment. Oula. Tadam ! Voici donc l'œuvre finale. Elle est belle, elle est grasse, elle est beautiful. Et franchement, j'avoue que le cadre, il rajoute un petit truc. Regardez-moi les détails. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Franchement, je kiffe. C'est trop un beau tableau. Et je me dis que ça a été fait par moi. Incroyable. Hop ! Eh bien, c'est la fin de ce périple. Il fait chaud. J'espère que quand cette vidéo sera postée, il fera froid. J'en ai marre de la chaleur. Nous sommes fin août quand je filme ceci. C'est terminé. J'en peux plus. Au final, ça m'aura pris 3 jours. Combiné, ça m'aura pris quand même plusieurs heures. Donc je trouve que c'est ok comme activité pour genre une grande après-midi ou une journée. Enfin, franchement, c'est bien fun à faire. Peut-être que du coup, c'est un peu cher pour le fait que ça dure quelques heures. Je ne sais pas. Je me rends pas compte. Après, c'est vrai qu'on l'a chez soi et du coup, c'est beau. Donc, il faut y penser aussi. Mais voici donc le tableau que j'ai fait en date avec moi-même, quasiment tout le temps. Et c'était beautiful, une très belle expérience. Vous étiez là, nous avons vu. Et j'aime bien faire ça. J'aime bien faire des trucs artistiques qui prennent du temps et que tout le monde peut faire. Faut que je vais en trouver d'autres. J'en ai déjà trouvé un autre. Ça va durer beaucoup plus longtemps que 3 jours. Ça va être incroyable. Il y aura un épisode 3, du coup, je sais même pas comment ça s'appelle, de moi qui teste des choses artistiques. Mais en attendant, le lien de... Je me suis beaucoup trop rapprochée. Le lien de ce site sera en description. Et c'est tout. C'était une vidéo fort sympathique. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à fort bientôt. Et c'est tout. Je ne sais pas faire des outros. 10 ans sur YouTube, elle me fait signe. Voilà. Adieu.